Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play de Clock Tower 3. C'est un jeu sorti le 27 juin 2003 en Europe. C'est un jeu de type Survival Horror qui a été produit et édité par Capcom. Alors pourquoi Clock Tower 3 et pas le 1 ou le 2? Tout simplement car bon, déjà le 1 et le 2 sont quasi introuvables. Ils sont sortis. Le premier est sorti en 1995, le deuxième, je crois qu'il est sorti en 1997, et c'était des point and click. Alors, Clock Tower 3 respecte l'ambiance et plus ou moins le gameplay des anciens, mais au niveau histoire, on n'a pas du tout besoin d'avoir joué aux deux premiers pour comprendre l'histoire. Donc ça, c'est un gros avantage. Je vous avoue, moi, j'ai pas joué au 1. Ni aux deux. Je les ai pas trouvés en émulé, ça me plaît pas. Mais Clock Tower 3 est vraiment un très bon jeu. Donc à la base, une dernière petite chose. Hein. À la base, Clock Tower appartenait à Human Entertainment, mais c'est une boîte qui a fait faillite en 1999 et Capcom en a racheté les droits. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'années entre le 2 et le 3. Voilà, donc on va commencer une nouvelle partie et je vous laisse. On se retrouve après la cinématique d'intro. Dearest Alyssa, how have you been? I think of you every day. It seems such a long time since you started your life at boarding school. It was after your beloved grandfather went missing while traveling 3 years ago that I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please, go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please, do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mom. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's your mother. Hello? Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Mum, I'm back. Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Alyssa, Nancy's daughter. Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back. At all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me!
Voilà, nous prenons le contrôle d'Alessa, une écolière au pensionnat, qui rentre chez elle pour retrouver sa mère et qui ne la retrouve pas, retrouve à la place un inconnu. Voilà, donc c'est un système très basique de Survival Horror. X pour interagir avec les objets, le reste je vous expliquerai en temps voulu. Ici c'est pour sauvegarder. Et là, je vous expliquerai aussi plus tard. Alors ici, on va un peu fouiller hein, pour voir ce qui se passe ici. On reçoit un appel de notre mère, mais au final, elle ne répond pas. Bon. Ça, vous voyez un petit peu aussi. Vous voyez aussi un petit peu le style du jeu. Bon. Moi, je sais où aller, donc on va éviter de fouiller pour rien. On va tout de suite monter à l'étage. Voilà, donc ici. L'échelle de panique. Bon, l'échelle de panique, vous pouvez lire si vous le désirez. Hein, vous mettez pause. Parce que moi, je connais déjà ça. En fait, l'échelle de panique, je vous le résume vite fait. Hein, c'est la barre qu'on voit au-dessus. Une fois que l'échelle de panique est remplie, on passe en état de panique. Et dans ce cas-là, Alissa, perd ses moyens. Et bon, ça a quelques conséquences. Je ne vais pas vous dire quoi tout de suite. Alors ici, on remarque qu'il y a apparemment quelque chose derrière la cheminée. Voilà, donc il y a une pièce cachée. On va s'y rendre. Alors ici il y a une statue assez spéciale. Hein. Bon ici encore une fois si vous voulez lire vous mettez pause parce que ça ici je l'ai déjà lu, je vais quand même le relire vite fait. Voilà, donc si on nous a expliqué quelques bases par rapport à l'objet qu'on vient de trouver, donc la bouteille sacrée. Donc, c'est une bouteille d'eau bénite. Allez, lève-toi. Ici, on peut l'utiliser 3 fois, pour l'instant. Voilà ce que ça donne quand on l'utilise. Voilà, donc en gros ici il y avait un seau sur la porte qui nous empêchait de passer et avec l'eau bénite, on a tout simplement cassé le seau. Et ici il y en a encore un. Mais pour l'instant ça ne sert à rien de l'utiliser. Alors ici on est dans la chambre de la mère d'Alissa. C'était écrit sur la porte, elle avait marqué Nancy. Maintenant, ici, hein, pas grand chose d'intéressant pour l'instant, sauf sur le bureau.
came back home. I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mum? Voilà, donc ici, on vient de passer à travers à nouveau un saut assez particulier, hein, comme ce qu'il y avait sur la porte. Et on se retrouve dans un couloir. Voilà, donc ici on se retrouve carrément ailleurs, on n'est plus chez nous, on est apparemment en plein milieu d'une ville qui se fait bombarder. Comment est-ce qu'on est arrivé là? On n'en sait rien. Et on est lâché dans ce chaos, tout simplement. Voilà, donc ici, les bases du jeu s'installent tout doucement. Donc ici, il y a un esprit devant nous. Cet esprit n'est pas forcément méchant, hein, il va pas nous poursuivre pour nous tuer. Mais si on passe trop près de lui, il va essayer de nous choper et ça augmente la barre de panique, évidemment. Donc, comme on a pu lire dans la lettre de Nancy, les esprits errants, on peut les guérir en retrouvant un objet sentimental. Ici, il nous a parlé d'une bague. Donc on va essayer de retrouver sa bague. Ah, donc elle était vraiment pas loin. Voilà, donc ici... c'est pas obligatoire de faire ça, mais souvent on y gagne au change, on a des objets ou des informations qui nous permettent de continuer l'aventure. Voilà, ici j'ai libéré l'esprit, donc il m'a donné en échange
une pierre sigil. Sigil, sigil, je sais pas vraiment comment on le prononce. Donc ça, je vais vous montrer ce que c'est en fait. C'est un objet utile, ça prend une attaque, ça encaisse une attaque à notre place en fait. Donc ça peut être utile. Ça s'utilise tout seul, c'est automatique, il suffit de l'avoir dans son inventaire. Alors ici c'est une fontaine du lion. Voilà, donc ici on peut sauvegarder et remplir à nouveau la bouteille. La bouteille vaut mieux la remplir dès qu'on peut, hein, même si on l'a utilisée qu'une fois, hein, parce que c'est... Bon, on peut l'utiliser assez vite en fait, donc faut mieux avoir le plus d'informations le plus de recharge, de charge d'eau possible. Voilà, donc ici on va essayer de trouver d'où vient cette musique qui apparemment viendrait de la salle de concert qui est devant nous. Bon, je vais faire ma chochotte, hein, mais je vais aller remplir à nouveau ma fiole. Je préfère être sûre d'avoir le maximum sur moi. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber dans ce genre de jeu. Surtout que trois utilisations, ça peut passer super vite. Donc gardez-la un maximum rempli, c'est un conseil que je vous donne. Alors, parfois on peut trouver des objets, ici par exemple stylo à encre d'or, c'est des objets qu'on doit rendre à leur propriétaire, comme vous en doutez, ils sont morts. Ici par exemple, on a un esprit, lui est agressif, lui va nous poursuivre et essayer de nous tuer. Donc le but, alors c'est couvert de taches de sang, ça appartient à la victime, ça... Voilà, donc, qu'est-ce que je vous disais? Ces esprits-là, faut les éviter. On peut les asperger d'eau bénite, ça les ralentit, mais ça les tue pas. En général, quand il y a un esprit, c'est qu'il y a eu une mort violente pas loin, et il faut donc trouver l'objet approprié pour faire disparaître l'esprit. Ici, en l'occurrence, je crois que c'est le stylo. Voilà, donc l'esprit qui était derrière nous maintenant est parti, vu que je l'ai libéré. Et à la place, j'ai gagné une bague d'invisibilité, en fait. Je vous montre aussi ce que c'est. Hein. Voilà, donc on devient invisible pendant un court laps de temps. Je ne vais pas l'utiliser, parce que j'en ai pas l'intérêt tout de suite. Vous comprendrez par la suite à quoi ça peut servir. Mais là, on va continuer à marcher vers... le piano. Je crois qu'il y a un objet là en bas. Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Alors l'eau de lavande, ça nous permet de diminuer notre échelle de panique. Et croyez-moi, c'est très utile et c'est très rare. Donc dès que vous pouvez... En fait, tous les objets dans ce jeu sont assez rares. Donc, le plus simple, dès que vous avez la possibilité d'en prendre, prenez-les. Et utilisez-les avec parcimonie, hein, parce que c'est très difficile d'en trouver. Donc vaut mieux les utiliser vraiment que quand on en a absolument besoin. Voilà, donc ici, je viens de débloquer une porte, hein, comme vous pouvez le voir, on est dans un tailleur, enfin chez un tailleur.
Encore une fois, je vous laisse lire à votre aise. Vous mettez pause quand vous voulez. Donc ici, on va souvent trouver des petites notes hein, qui te permettent un peu de comprendre ce qui s'est passé là où nous sommes. Alors ici, je vous explique pas tout de suite à quoi ça sert, je vous laisse deviner. Je voulais vous le montrer avant de vous expliquer pour que vous essayiez de comprendre un peu ce qui se passe dans ce genre de jeu. Je vous avais dit hein, que la fiole se vide vite. Vite, vite. C'est très drôle à dire en fait. N'hésitez pas à tout fouiller, hein. Souvent ça vous apporte des petites précisions. Parfois même rien du tout, hein, mais c'est pour l'ambiance. Alors ici, on vient de trouver la clé d'un tiroir rouge, apparemment. On va essayer de trouver ce tiroir rouge. Alors voilà, donc ici le système de jeu commence vraiment. On va se faire poursuivre par ce monstre hein, et on peut rien faire, on ne sait pas le tuer. On peut à la limite le ralentir quelques secondes en lui jetant de l'eau bénite, mais on ne peut pas le tuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on doit se cacher pour qu'il ne nous trouve pas. De temps en temps, il va, bon, si on se cache bien, il va nous laisser tranquille, mais forcément, il nous retombera dessus à un moment ou à un autre. Donc le gros principe de jeu, c'est justement de fuir et de se cacher. Ici, ce document nous explique comment faire exactement. J'ai peut-être été un peu vite. On en profite. On récupère ce qu'il y avait dans le tiroir. Et on fuit. On fuit le plus vite possible. Ouais, donc le rideau, ça servait à ça en fait. Ça sert à se cacher. Il va pas chercher à ouvrir le rideau. S'il nous a pas vu entrer dedans, il va pas l'ouvrir de lui-même. Maintenant, vous pouvez remarquer que quand il était tout près, la jauge de panique
attaque d'Alyssa, pas Alyssa, a augmenté. Si jamais elle est au maximum pendant qu'on est dans une cachette, Alyssa va sortir automatiquement vu qu'elle, qu'elle panique, hein, justement. Et ça vaut mieux l'éviter. Donc maintenant qu'on a la clé de la chambre de la petite, on va l'utiliser. Enfin, de la petite, la chambre de May, quoi. Voilà encore ici le journal de la gamine, si on veut. Alors ici, nouveau principe, au lieu de se cacher, on va utiliser des objets qu'on peut voir avec les, cette espèce de gros point bleu-vert pour s'enfuir. Voilà, donc ici je viens de l'assommer, mais je ne vais pas attendre qu'il se réveille, je m'en vais. Ici j'ai pris tout ce qu'il me fallait dans cette maison. On s'enfuit et vite. Alors juste pour vous montrer ce qu'on a récupéré. Oh merde. Alyssa. Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. Réflexe, j'ai appuyé sur triangle pour utiliser le menu en fait. Donc je voulais vous montrer ce qu'on a trouvé. Voilà, donc c'est l'invitation pour la salle de concert utilisée pour le concours de piano. Et maintenant, on se barre vite. Ah mais aussi, quand on se fait poursuivre, on ne sait ni sauver ni remplir la bouteille. Là, il a disparu. On va en profiter pour remplir à nouveau la bouteille et faire une petite sauvegarde. Hein. Dans ce genre de jeu, j'ai le réflexe de sauver dès que je peux. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut mourir. Alors il faut savoir aussi que le monstre est attiré par le bruit. Donc si jamais il n'est pas là, mais que sur le sol vous renversez des canettes ou vous faites tomber quelque chose d'un meuble, bah, il va apparaître, il va vous entendre et il va tout de suite arriver. Voilà, donc en fait l'invitation, ça nous sert à rentrer ici. Sans l'invitation, on s'est tout simplement pas passé. Et comme vous m'avez entendu, ben, on s'est fait enfermer. On ne peut plus ressortir. Alors ici, de quoi sauver? Mais on va pas sauver, hein, on vient de le faire. Voilà, donc ici apparemment, il y a un casier verrouillé. Oh, quelque chose. Eau de lavande, toujours utile. Je vais vite faire un petit tour pour voir si je loupe rien. Non, ok, c'est bon.
Alors ici, on peut pas passer, hein, y a des cordes. Ce qui est assez con en soi, parce que c'est juste une corde, quoi. Comme je vous l'avais dit, bah, il nous retrouve à chaque fois. Hein. Et la panique monte assez vite. Donc on va essayer de, bah, de fuir, hein, tout simplement. Alors ici... faut remonter directement le mécanisme, en fait. Ça nous a permis de découvrir quelque chose. Il faut le remonter pour qu'on puisse l'utiliser pour plus tard. Alors ça nous servira pour déverrouiller le coffre qu'on a vu à l'entrée. En attendant, on va... On va rester caché derrière le rideau en attendant que... Je sais même pas comment on peut l'appeler. Je sais qu'il a un nom, mais j'oublie. Je crois que c'est Sledge. Sledgehammer ? Edgehammer ? Je sais plus. Quelque chose comme ça. Bref. On va attendre gentiment qu'il parte. En fait, on sait qu'il est parti quand la musique s'arrête. Puis on entend aussi un bruit de... Enfin, on l'a déjà entendu. Hein. Trop de bruit. Voilà, ce bruit-là. Ça veut dire qu'il est parti. On va pouvoir retourner à l'entrée pour ouvrir le coffre. Et surtout, on se dépêche. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais quand le méchant peut arriver. Et s'il est là, on ne peut pas ouvrir le coffre. Bon. Voilà, donc ici, c'est une combinaison en trois chiffres. Moi, je connais le code. Je vais juste vous montrer comment le trouver. Alors, voilà, note du régisseur. Combinaison du coffre, BAD. Donc en dessous avec les mots, on voit quelle lettre correspond à quel chiffre. Donc BAD, ça fait 103. Voilà, à l'intérieur, on trouve la clé principale, ce qui nous permettra, je vais vous montrer tout de suite, voilà, ce qui nous permettra d'ouvrir la porte d'entrée, hein, d'où on vient. Mais bon, on n'a pas d'intérêt à retourner dehors. Et aussi une petite porte qui se trouve dans la salle de spectacle. Voilà, on va profiter du calme pour sauvegarder.
Voilà, donc on va se laisser sur cette sauvegarde, hein, vu que bon, ça fait 25 minutes de jeu, mais avec l'intro, on en est à 30-35 minutes. On va éviter de faire une vidéo trop longue. On continuera notre recherche dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!